je pense pas que j'aurais fait tapis avec Cassas. Ben, mets-lui un coup de coude, frère, mets-lui un coup de coude. Oh là 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 là, le tirage quinte flush royal, tirage flush, tirage quinte, tout ce que tu veux. Un check raise ici en balzi les gars. Je mets la maison là. Un as de cœur là, histoire qu'on soit beau, pour une quinte flush royal, ça serait chouette. Ça ferait une belle pub pour le stream. Allez, on y va. Allez. Let's go, bon bah flush, ça sera très bien. Et la quinte flush royal les amis, la quinte flush royal. Si c'est pas beau, la quinte flush royal les gars. La quinte flush royale, c'est ma troisième, c'est ma troisième. Il y a Max, il s'appelle... Ah, c'est marrant ça, tiens. Le truc, c'est qu'il a brelan de 7, brelan de 10. Il peut avoir 10 et 8 qui pètent comme ça, la turn. Là, je bloque les straights, mais bon. Sur sizing, là, je fais rien folder, donc est-ce que j'ai envie de catch ça? C'est un bon catch, hein. C'est un bon catch. Je préfère call ça que valet 10, dame 10, donc je vais catch ça et on va vérifier. Oh là 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 là, mon dieu. Oh, il est beau. Enfin, je sais pas s'il est beau théoriquement, mais il règle. Non, c'est chaud. Allez, allez, mon frère, allez, allez. Il limp, mon frère, décibel. Mets-lui un coup de coude, frère, mets-lui un coup de coude. Sûr, c'est aussi un bon joueur. Ok, raise all in, allez, allez, allez. Hop, tu le fumes, mon frère. Allez, Buster, t'as envie de call là. Oh, j'ai envie de call. Oh, j'ai envie de call à ta place, mon frère. Tu veux call ta main, roi 10 sous. T'as envie de call, mon frère, roi 10 sous. Allez, tu colles. Colle-moi. Oh, il a roi 10, frère, j'en pleure. Roi 10, let's go. Non. Ah. Mais je vais mourir. Oh. Oh là là. Il peut y avoir deux bustos là, voire trois. Oh Shafk. Shafk, avale-moi tout ça quoi avec ton flush draw max. Oh, vas-y, rouge. Oh le 10. Oh, y a un triple busto. Oh, on se retrouve à 4 left. On est 6ème sur 7, on se retrouve à 4 left. Oh, ce spot de taré. Hugues il est chip leader, il va quand même open énormément de mains. Et quand on reshove le chip leader, on va avoir des bloqueurs sur des nuts. Et paire de 6, je pense pas que ce soit un shove. Ah, il a pas snap call, hein. Il a pas snap call Hugues, hein. Mais il a fini par call. Oh, il va voir, il est déçu. Il est très triste, Etienne, il est déçu, on l'a vu à sa tête. Les 6 contre les 7, Etienne, PKR, dominé à 5 joueurs restants de ce WPT main. Il va lui falloir pas mal d'aide. Ah, vous appelez tous les cartes dans le chat. Je me garderai bien de le faire. On va laisser le poker décider. Un trèfle pour vibrer. Un trèfle pour la science. Eh non, ce sera un 6. Et seulement un 6, vous voyez, il n'y en a plus qu'un dans le paquet. Un 4. Partage. Ah non, non, pas un 4. Un roi et il gagne auteur 7. Et ce sera donc un 3. Et on perd donc Etienne. Etienne, PKR, notre ambassadeur, notre streamer, qui va être un petit peu déçu juste sur le coup, mais ensuite il sera très content parce qu'il verra qu'il a quand même pris 48 700 € pour cette 5ème place. Magnifique. Bon, il a commencé 2ème en stack, donc forcément on est toujours un petit peu déçu. Un grand bravo à Etienne. Plutôt bien joué Damien, qu'est-ce que t'en penses de ce tapis avec Assas? Ah bah non, moi je pense pas que j'aurais fait tapis avec Assas, je pense qu'il est vraiment pas très bon JB, moi je suis bien meilleur, je suis jeune en plus, niqué Olivier. Oh bah Damien, je te permets pas d'être aussi irrespectueux des gens qui sont tout simplement plus âgés, plus expérimentés que toi. Mais de toute façon vous êtes tous des cons, puis mes parents c'est des cons, moi, c'est comme ça, je me casse, hein, je vais fuguer et puis je vais devenir musicien, je vais vivre au Pays Basque. Mais Damien, calme-toi en fait, on est ensemble, on est là à Lille, c'est que le début du festival. Non, j'en ai plus rien à foutre, vous êtes tous des... Merde. Trahi. Il était là il y a 2 secondes, hein. Vraiment. Foiré. Hein. Let's go. Wow. Wow, wow, wow. Trop cool. Dans son deck, je sais pas si c'est le bon deal de passer des coups versus un mec qui est rugbyman quand même. Il est 2000 de mêlée le mec. Il m'attrape, il me casse en deux en fait. Je vais jam, je préfère Busto, Deso, Joris. Pardon, je voulais pas de soucis moi. Oh, Joris, non. Non, non, non. Un 4 à 3, un 4 à 3. Jojo, je suis... Jojo. Non mais Jojo... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et allez. Il rigole, ça c'est pas bon signe ça. C'est bien là, snap call.
Pas de décision, bravo. Allez Etienne, allez mon Etienne. Aïe, la tête d'Etienne. Bon, j'appelle la dame. C'est pas fini, j'appelle le valet, j'appelle les piques. Est-ce que je vais aller vlogger 37%, ça veut dire qu'il y a eu certainement des dames folles, ouais. Et que les valets sont tous vivants et que les piques sont tous vivants. Est-ce que je vais aller vlogger plus vite que prévu? C'est un flip, mon vieux. Tu vas la jinx. Elle est trop forte. Tu vas la jinx. Elle est trop forte sur ce coup. Le roi, on appelle le roi pas maintenant. Droit, pas de dame, pas droit, pas de dame. Le valet pour Étienne. Obligation. Le J, c'est le S. Ouais, un valet turn, valet turn. Les GG, la team. Regarde, valet turn, pan. Oh, c'est pas mal, c'est pas ça mal. Ça change rien. C'est pas mal. Si le 10 fait split. Il y a les carreaux, non? Ah non, il y a pas les carreaux. Ouais, si, il y a les carreaux, bien sûr qu'il y a les carreaux. Il y a le flush. Ah oui. Allez, le carreau, il verse très bien. Toutes les cartes qu'elle joue. Pas comme ça. Oh, ça tient pour Étienne. Mais voilà, Étienne, arrête de réfléchir, juste fais tapis. C'est ça. C'est là que t'es le meilleur, mon vieux. C'est pas un jeu qui joue post-flop. Voilà, c'est un jeu de chat. On fait tapis pré-flop et on voit ce qui se passe. Roi 9, il a roi 9. Oula, ça va split cette histoire, non? Ça peut. Roi 9 contre roi 7. C'est un... Roi 7 suité. C'est un 65% ouais. Chez Mathieu. Attention. Le 7. Oh, wow, les 7. 7-7 tout de suite. C'est terminé, est, c'est la fini. Victoire d'Hugues Girard. Il a fallu des heures de heads up pour finalement que Mathieu Gongelfes prenne une magnifique place de runner-up. Un très très grand runner-up, un très très grand bravo à lui. Il n'a rien lâché. 117 120 euros et le grand vainqueur de ce Main Event WPT Prime Paris 2024 ici au Club Circus, c'est Hugues Girard, 180 000 euros, dont le ticket WPT World Championship Win Las Vegas. C'est sur ces images qu'on se quitte.